Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en compagnie de Monsieur Georges Taïeb Benson, que nous recevons ici, dans ce cadre somptueux du restaurant Éloquent, à qui nous disons merci. Bienvenue à la deuxième partie de cette émission consacrée aux 50 ans de télévision de Monsieur Georges Taïeb Benson. Un homme, une vie et une histoire qui vous est racontée en exclusivité dans une émission Leitmotiv. Madame, Monsieur, bonsoir. Le miracle ivoirien, un terme qui a fait son chemin, mais qui est rejeté poliment mais fermement par l'artisan numéro un du développement de notre pays, j'ai nommé Nana Houphouët-Boigny. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis très heureux de vous recevoir sur ma terrasse en ce samedi 2 janvier 1982, deuxième jour de la nouvelle année. Je voudrais profiter des accents envoûtants de cette musique qui vient de chez nous pour souhaiter à toutes et à tous 365 jours de bonheur, de prospérité, de santé et de tranquillité. Vous apprécierez le talent tout à l'heure. Eh bien, merci Junior, merci à tous nos amis qui sont avec nous ce soir. Je voudrais tout simplement vous annoncer, amis téléspectateurs, que vous aurez la possibilité aujourd'hui, avec le concours de Serge Fatto et Lingan, de gagner des places gratuites pour le très prochain concert de Kool & The Gang, n'est-ce pas Serge? Oui, bien sûr, bien sûr. À New York, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'ensemble d'un jeune Ivoirien, un artiste. Il est peintre, chorégraphe, décorateur aussi. Chorégraphe, c'est pour cela qu'il est là ce soir. Voici le Black Show de Kwame au son de Victory du groupe Kool & The Gang. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Notre rendez-vous de ce soir sera teinté d'un peu de tristesse, tout simplement parce que c'est peut-être la dernière fois que nous nous retrouvons sur cette terrasse que vous avez pris l'habitude de fréquenter et que vous avez commencé à apprécier, ce dont je vous suis particulièrement reconnaissant. Georges Taïeb Benson, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci encore une fois d'avoir choisi Leitmotiv pour faire partager ton expérience à nos téléspectateurs. On le disait précédemment, ton histoire avec la télé démarre en 1963 à la création de celle-ci. Tu es sélectionné avec 6 autres Ivoiriens alors que vous étiez 250 à participer à ce concours. Et surtout alors même que tu n'avais ni l'âge requis, ni le diplôme requis pour prétendre un jour être animateur de la télé. Oui, oui, effectivement, je n'avais aucun... Oui, il y avait... Non, non, il fallait que je le fasse, c'est pour ça. Sinon, je n'avais aucun des deux, aucune des deux conditions, je ne remplissais. Non, pas du tout. Et pourtant, tu réussis ton premier test. Oui, oui. Alors. Ce premier test, il était difficile. Hein. Nous étions, tu l'as dit, 200 et quelques. Et puis, de ces 200, on extirpe 7 sujets-là. Ensuite, nous allons, nous qui n'avons pas le bac, nous ajouter aux 5 qui ont le bac. Ça fait 12 candidats pour le vrai concours qui commence maintenant. Le deuxième test sera donc décisif pour espérer rentrer à la RTI. Raconte-nous comment se passe ce deuxième test et comment tu apprends le résultat. Eh bien, ce deuxième test, il se passe, curieusement, dans une salle de classe du collège d'orientation du plateau. D'accord ? Et le collège du plateau que tu avais fait auparavant. Oui, donc j'ai été viré en classe de 5e. Donc, on arrive dans la salle d'examen
Et je vois parmi les candidats des grands frères que j'admirais, que je regardais pour leur diplôme, pour leur classe à l'université, à l'école normale supérieure. Il y en a qui sont enseignants depuis longtemps, il y en a qui sont dans la vie de fonctionnaires, etc., etc. Je dis, mais qu'est-ce que moi je fais ici? Au milieu de toutes ces personnes âgées, mmh. au milieu de toutes ces personnes diplômées, qu'est-ce que je fais ici? Mais je m'assieds, comme tout le monde, à l'énoncé de mon nom. Et puis, le fonctionnaire de l'ambassade de France qui était là décachète donc les épreuves et nous distribue celle-ci. Et puis, on s'y met. Qui appelle-t-on le Raïs? Qui appelle-t-on au Sadifou? Quelle est la circonférence de la Terre? Quelles sont les dates de la Deuxième Guerre mondiale? Qui est le champion, etc., etc. C'est des choses de culture générale, d'aptitude naturelle, etc. Et nous faisons cela. Et puis, il y a une pause à midi. Je pars en ayant le sentiment de ne plus revenir. Est-ce que tu es quand même un peu découragé? Je suis découragé parce que je suis effrayé par... les gens qui sont là, mes concurrents, je veux dire. Tout à fait, tout d'accord, à fait. Je me dis. Ah bon. Mais je viens quand même, je reste au plateau, hein, avec Neba, l'éternel. Tu discutes. Je lui dis, Neba, c'est foutu. Le concours, il est de trop haut niveau. Regarde celui-là. Regarde, etc. On va la checker pâtée encore. Et puis, on revient dans le jardin. Appartenant au collège. Donc on est là, on discute. J'ai pris la décision de ne plus retourner pour faire la suite des épreuves. Mais un moment, je sens quelqu'un qui me prend l'oreille. Mais écoute... Oui, comme pour te tirer les oreilles. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui visiblement est venu me chercher, me punir, me harceler, m'amener. Mais qu'est-ce que tu... Alors, je me retourne. Avec le sentiment que je vais faire bagarre, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui me touche l'oreille? Et puis je me retourne, je vois le monsieur qui était surveillant ou examinateur le matin dans la salle de classe. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pas? Je dis, monsieur, moi j'ai vu les gens là, vraiment, moi je ne peux pas réussir. Excusez-moi, je ne veux plus aller. Il dit, mais tu as les meilleures réponses de ce matin. Du coup, ça te rebooste. Alors. Neba me dit, mais écoute, il faut aller, Baga, il faut aller. C'est comme ça qu'on s'appelait, Baga. Il dit, il faut aller. Donc le monsieur m'amène, hein. Il m'amène le monsieur dans la salle. Ce monsieur, il s'appelle Henri Bourgoin. Paix à son âme. Paix à son âme. Et merci à ce monsieur. C'est le deuxième personnage qui fait que la flamme continue. Le premier personnage, c'est Joseph Diomandé, que je dis... Monsieur aujourd'hui, Monsieur Bourgoin, et c'est extraordinaire. Parce que je fais les épreuves l'après-midi, et puis c'est ramassé, c'est allé à l'ambassade de France pour être envoyé en France. Parce que c'est là-bas que les épreuves sont corrigées. À l'OCORA, Office de coopération radiophonique, 46 rue d'Amsterdam, Paris 9e. Je connais ça. Oh oui, traumatisé à cette adresse. Alors, on attend encore, les épreuves sont parties, nous attendons, je n'en parle à personne. Neba est au courant. Et puis, une quinzaine de jours après, le communiqué sort, et quelqu'un me dit comme ça, j'ai entendu ton nom à la radio, et on dit de venir à la télévision. Je dis, ah bon, c'est pour aller lire des textes encore. Il dit, je ne sais pas, mais j'ai entendu ton nom. Sont priés de se présenter au bureau de... etc., etc. Je dis à Neba, voilà, on est convoqué pour aller lire des textes encore, allons-y. Et puis je vais, il y a le bureau où on est convoqué, le monsieur est assis, et c'est le premier monsieur que j'avais vu là. La première fois. La première fois pour m'inscrire. Qui n'est pas convaincu du tout, avait quand même inscrit ton nom. Voilà, il me regarde, il me dit, vous êtes venu pour les résultats? Je dis, oui monsieur. Il dit, ah, le nom, j'ai Taï Benson. Ah, mais c'est, attends, c'est pas possible. Tu es en deuxième position sur la liste.
mon petit, tu t'en vas en France. Je dis, oh monsieur, s'il vous plaît. Il dit, mais tu t'en vas en France, regarde le communiqué, sont admis pour aller passer l'oral du concours, etc., à Paris. Remarque que ça a déjà changé, je dis Paris. Tout à fait. Déjà, hein. Bon, mais je saute dans les bras de Neba. De joie. Quand je ressors, Neba est plus heureux que moi. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voulu venir. Il est plus heureux que moi. On repart à notre atelier. Pâté, mais cette fois-ci terminé, avec deux bouteilles de Tip Top. Alors, tu t'apprêtes donc à aller à Paris, comme oui, tu le dis, pour ta formation. Sans dire à ma famille. Et pourtant, personne ne le sait. Personne tu ne le sait. Tu ne veux pas le dire à ta famille. Non, je ne veux le dire à personne. Pourquoi avoir caché Alors, ce que... parce que on t'a bien dit que celui qui échouera à l'oral sera remis dans l'avion pour revenir à Abidjan. Alors, donc, tu voulais pas qui est fou pour se vanter d'aller à Paris et puis une semaine, dix jours après, tu reviens sur les bords de la lagune Ibrié. Je m'en suis vraiment, je me le suis interdit. Je dis, je ne dis à personne. Neba est au courant. Mais il faut préparer ce voyage à l'insu de tes parents. Comment tu fais pour t'habiller? Comment tu fais pour te mettre en route? Ça, c'est le... problème de Dieu. Donc tu ne dis pas que tu voyages, mais tu ne leur dis pas non plus que tu as eu ces tests? Non, je ne dis à personne que j'ai fait quoi que ce soit. D'accord. Je ne dis à personne. Leur dire que j'ai fait le test, c'est leur faire miroiter, que je serai admis, que je ne dis à personne. D'accord. Mais comment m'habiller? Je n'ai pas d'habit. On dit il fait froid là-bas. Et puis pour prendre l'avion, il faut être bien habillé, etc. Et là, on te dit que tu pars à Paris quand? Deux jours après. Alors, on nous le dit 4 ou 5 jours avant. Nous devons partir le samedi 6 juin 1964. Mmh. On nous le dit le 2, je crois. D'accord. Et moi, je tergiverse. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? J'étais gardien de but d'une équipe de handball. Mmh. Et notre capitaine, manager, c'était M. Zadi Georges, un couturier. Et je me résous, la veille quand même. Aller le voir. Je dis, Zed, je vais en France demain. Il dit, ah, tu vas en France pour demain. Je dis, je m'en vais passer un concours, mais je n'ai pas d'habit. Mais pourquoi tu ne me le dis pas depuis? Bref, il fouille dans ses dépôts. Il trouve un complet sans bras. Que la personne n'est pas venue réclamer. Ça date de longtemps. Il le dépoussière, il m'en affuble, et puis il prend les pinces, et là, il le remet à ma taille. On est resté là vendredi, donc, jusqu'à 2h du matin, je crois, le samedi. On est resté là à faire cet habit-là, et tout. Dernier moment, je n'ai pas de ceinture. Là, c'est encore un autre problème. Il coupe un tissu, il rassemble les deux bords, il les solidifie avec la couture, etc. Et puis, on attache. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu es sauvé, là. C'est un grand ouf. Oui. Alors, je prends ce costume. Je dors chez Neba Bienvenue. Et Neba m'accompagne avec mon petit baluchon. M'accompagne à bord sur sa mobilette. Et nous allons à l'aéroport. C'est ainsi que le samedi 6 juin 1964, vers 10h à bord d'un avion, nous embarquons pour Paris via Madrid. Tu n'avais pas peur que tes parents te cherchent, qu'ils se demandent mais où il est passé Je me dis que le dénouement est devant. J'avais la certitude que j'appellerais mon père qui me battait froid. Pour lui dire, je suis reçu à un examen, à un concours, je vais avoir du travail. J'en avais la certitude. Donc, je ne pensais pas aux recherches et tout ça. J'avais dit à mon cousin, dit à la maison, que je pars à Boaké m'inscrire dans l'armée. C'est ce que je lui ai dit. Dit à la maison que je pars à Boaké m'inscrire dans l'armée. Donc, lui-même ne savait pas que je partais. Waouh! Dis ma chérie, comment tu fais pour être toujours aussi belle? C'est quoi ton secret? C'est la gamme de produits Miss Soin.
Bienvenue à l'Institut de beauté Miss One. Nos soins corporels et nos produits de beauté exclusivement à base de plantes naturelles vous garantissent un teint, un visage et un corps de rêve. Institut de beauté Miss One, la magie de l'esthétique. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Dans l'avion, quand on nous fait monter, il y a un monsieur qui s'approche de moi. Il dit, tu es Benson? Je dis, oui, monsieur. Il dit, ah, mais je connais bien ton frère Ahmed, qui est inspecteur de police. C'était le père de Serge Billet. Alors il me dit, tu connais bien ta famille et tout. Bon, mais je te prends. Il m'a pris sous sa coupe, ce monsieur, pendant le vol. Mm-hmm. Bon, mais on fait le vol. C'était mon comment on appelle ça, baptême de l'air. Oui, tout à fait. C'est mon baptême de l'air. La première fois que tu prenais l'avion, ouais. La mais nous sommes à bord de la caravelle qui expérimentait ses aérofreins. Alors c'était encore... Tout frais. C'était bizarre. Et tout, c'était bizarre, etc. Mais bref. Nous arrivons à Paris, on nous prend en charge, on nous héberge, et puis deux jours après, eh bien, commence l'oral. D'accord. Voilà. Alors, comment se passe ton arrivée à Paris et tes auditions définitives? Bon, d'accord, on arrive à Paris en juin. On nous demande de venir manger pour le dîner du soir. Ah, il y a le soleil. Le soleil fort, on dit, il est 20h, on n'a qu'à manger. Non, parce que c'est l'été. Alors, on est étonné. Bon, bien sûr, on va manger, etc. Et puis, 3 jours après, commence l'oral. L'oral a duré 23 jours. Pas parce qu'on nous interrogeait chacun pendant 23 jours, mais parce qu'il y avait les Congolais, les Sénégalais, les Camerounais, etc. Mm-hmm. Donc, on nous interrogeait au fur et à mesure. Mm-hmm. Et 23 jours. Personne ne sait où nous sommes. Personne ne sait. Mais dans ces personnes qui vous interrogeaient, il y avait des personnes connues que vous connaissiez. Ben nous, on ne les connaissait pas. D'accord. Corinne, je te parle de 1964 où il n'y a pas de satellite, il n'y a pas d'ordinateur, ah oui. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas tout ça. Il n'y en a pas. Donc on ne connaît personne. Vos Facebook ou bien je ne sais pas quoi là. Bon. On ne connaît personne, mais ces gens sont là et ils nous interrogent. Mm-hmm. Elles nous interrogent parce que ces gens au pluriel deviennent féminins. Alors, ces gens nous interrogent. C'est plus tard que nous saurons qu'il y avait d'éminents journalistes comme Gaston Bounour, comme Comte, créateur de l'Express, qu'il y avait André Clavé, qu'il y avait Zitrone, qu'il y avait ces gens-là. C'est plus tard qu'on comprendra. Alors, on nous interroge. Il y avait des candidats, les 7 candidats venus d'Abidjan pour la Côte d'Ivoire, plus des candidats qui étaient à Paris, étudiants à Paris, et qui se sont ajoutés à nous. Des grands noms aussi. Alors, on nous interroge, quel genre d'interrogation? Les tours cyclistes, c'est quoi? Enfin, des trucs comme ça, quoi. Actualité. Mm-hmm, actualité. Oui, actualité. Actualité. Comme, pourquoi est-ce que tu as passé le concours de la télévision? On a demandé à un, là, il dit que lui, il a passé le concours d'agriculture, le concours de la police, et puis ce concours-là. Comme c'est celui-là dont les résultats sont sortis le premier, il est venu. On dit, ah, d'accord. On a interrogé, puis on arrive sur... Toi. Oui, 18 ans, 5e. Pourquoi avez-vous passé le concours? Ah, monsieur, ça, c'est depuis mon enfance que j'ai cette prédilection, je pense. Cette envie. Parce que déjà, à l'école primaire... J'animais les soirées récréatives, marquant la fin de l'année. Je faisais le théâtre, je faisais le maître de cérémonie. Mm. Plus tard, au collège, j'animais encore les théâtres suivis de bal. Et puis, j'ai fait l'école de théâtre, où j'ai appris la diction, l'élocution, le déplacement sur scène, l'occupation de la scène, etc. Et j'ai même fait un bout de cinéma. Bref, j'aime faire... La narration des choses, la rédaction, etc., etc. C'est pour cette raison que j'ai passé ce concours et le seul.
Ils ont prolongé mon interrogatoire. J'aurais dû me taire. Mais ils ont prolongé et tout. Bon. Et puis, moi, je suis parti. Je voudrais savoir, là, est-ce que Fulgence est arrivé déjà quelque part? Allô, Fulgence? Roger, est-ce que vous êtes quelque part? Allô, Fulgence? Alors, merci, je crois que nous sommes à l'antenne. Merci, George Benson. C'est vrai que je vous appelais simplement parce que nous ne sommes pas allés bien loin de la station et que nous nous trouvons toujours à Cocody, ici à l'avenue Jean Mermoz. À notre droite, sur notre droite, il y a la cité des étudiants, la cité Mermoz, bien sûr. Et nous savons que dans cette avenue, eh bien, habite le premier responsable de la jeunesse et des sports, en l'occurrence, M. Laurent Donat Fologo. Et comme nous savons que M. Fologo est un monsieur bien gentil, eh bien, nous allons essayer d'aller frapper à sa porte et puis lui demander de nous dire quelques mots en ce début de 1982. En attendant que cela se fasse, eh bien, je vous passe l'antenne. Une fois installé chez M. Fologo, nous vous appellerons. Alors, à tout à l'heure. Bien. Écoute, Fulgence, merci beaucoup. Vous avez vraiment fait très, très vite et nous en sommes heureux. J'espère que M. Fologo a gardé sa gentillesse habituelle et que malgré l'heure tardive, vraiment, M. le ministre, si vous êtes enfermé chez vous en train de nous regarder, recevez Fulgence Cassis. C'est un garçon très poli. Il ne va sonner que 7 fois. Alors... Pendant ce temps, personne ne sait à Abidjan que je suis à Paris. Hein. Ouais, à Paris, hein. Personne ne sait. Là, tu commençais déjà à prendre l'action. Oui, entre-temps, je suis allé faire la mémorable et traditionnelle photo à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, etc., etc. Alors, on nous donne les résultats, mais comment? Ils sont très vicieux. Là où nous prenons le déjeuner, dans cette école, c'est dans la cave du château où nous étions. Vous descendez, puis le réfectoire est là. Mais avant de descendre, il y a un kiosque vitré. Il y a une dame qui fait le standard et qui fait le courrier. Si vous avez du courrier qui est venu, vous avez votre nom qui est écrit. Et c'est là, les vicieux, où ils placardent les résultats. Alors, si tu t'en vas manger et que tu regardes que tu as échoué, ton appétit est coupé. C'est sûr. Alors moi, je refuse d'aller manger. Tu préfères attendre. Je suis dans la salle. Je suis comme ça. Les autres sont partis. Ils ont eu le courage. D'aller manger. Mais ils ont le courage de leur âge, sans faire de verre. Et moi, je suis là, je gamberge. Parce qu'en fait, je dis, si j'échoue, je fais comment? Si j'échoue, je fais comment et tout. Et puis, un moment, notre patronne de stage, Mme Milo, qui vient et dit, Taï, vous n'allez pas déjeuner? Je dis, madame, moi, je ne déjeune pas aujourd'hui. Mais enfin, Taï, il est l'heure de déjeuner. Madame, je vous dis, je ne mange pas aujourd'hui. Je reste ici. Ah non, il faut aller déjeuner. Je dis non, je ne mange pas, madame. Alors, elle me convainc de sortir de la classe. Mmh. On fait les 100 pas dans la cour. L'air. Je la voyais tenter de gagner des mètres. Elle devait sentir vers... que tu étais stressée. Oui, très stressée. Elle est très maternelle. J'étais le plus jeune. Elle me materne et tout. Et puis, j'entends une voix féminine. Taï, on est dedans. On est dedans. Tu es deuxième sur la liste. On est dedans. Il y a un Sénégalais devant toi. Viens, viens. En ce moment-là, je dis, Seigneur, tu es à Paris. Je pense à ma mère, je pense à mon père avec qui je vais me réconcilier. Que d'émotion. Et puis je fonce vers le lieu des résultats et de la restauration. La voix que j'avais entendue était celle de Joséphine Lopez, avec qui nous avions embarqué. Et puis, en ce moment-là, je me détends. Je regarde la liste. Je fais le malin que font les jeunes quand ils ont eu le bac ou le BEPC. Je crie. Et puis, on descend manger. Oui, parce que là, tu te souviens que tu n'as pas mangé. Je n'ai pas mangé. Et j'ai dit à Mme Kemener, celle qui s'occupait de la cambuse, « Madame, je veux 3 plats. Je veux du rabiot. » Là, tu avais faim, tu avais la rage. Elle me dit, mais Taï, tu as déjà... J'ai dit, madame, je dis aujourd'hui, je veux 3 plats, s'il vous plaît. Comme j'étais le plus jeune, on me dorlotait à tous les niveaux. Elle me sert 3 plats que je n'arrive pas à finir. Parce que je trépignais d'impatience d'avertir mes parents, d'avertir mon père, d'avertir ma mère, ma famille. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous prenez une petite boîte sans fil, vous faites le numéro et vous parlez avec votre correspondant.
à cette époque, tu plaçais ton appel à 9h le matin, et c'est à 16h qu'on vient t'appeler pour te dire « Abidjan Potaï, je place mon appel, on me dit demain. » Tu passais ton appel, ça veut dire bah, ça veut dire que... Tu devais laisser le numéro de téléphone. Je dis à la dame, je veux tel numéro à Abidjan. Et comme il n'y a pas de numéro à la maison, nous n'avions pas de téléphone, c'est le numéro du bureau de mon frère que je donne. On me dit « Demain, tu places ton appel, je veux tel numéro. » Et puis c'est 9h de temps plus tard qu'on vient t'appeler. Comme c'est le matin que j'ai mon frère à mettre au téléphone. Il dit « Tu es où, Taï ?» Je dis « Je suis à Paris. » Il dit « Non, écoute, si tu as fait une bêtise, non, tu me dis. » Parce que maman pleure, papa pleure. J'ai dit, Ahmed, je suis à Paris. Tu fais quoi là-bas? J'ai dit, non, je suis venu apprendre la télévision. Et dans 2 ans, tu vas me voir sur l'écran avec Joseph Diomandé. Il dit, quoi? J'ai dit, bon, voilà mon numéro de téléphone où tu peux me joindre. Je lui donne mon numéro. Et puis, le lendemain à 16h, Abidjan Potaï, Abidjan Potaï. Et puis, je vais, allô? Il dit, regardez. Tu es vraiment à Paris? Avec l'accent parisien. Je dis, oui, je suis à Paris, Ahmed. Je suis à Paris. Tu fais quoi? Je dis, je fais la télévision. Dans 2 ans, tu vas me voir aux côtés de Joseph Diomandé. Il était fier quand même. Il dit, tu vois, maintenant tu pourras t'acheter une paire de chaussures à toi. You know sometimes, baby, I'm sorry.